Après, on ouvre le bec là. Bec, et puis on met. On a mis la bague dans leur bouche. Hey. Donc, ils ont avalé la bague. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Hé, hey, attention! Il y a trois propositions. Il y a, comment on appelle ça? Un truc qu'ils pouvaient faire pour nous là. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si j'ai dit peut-être, je veux cette télé là, même si elle coûte un milliard, une fois qu'ils me m'amènent dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Je donne, mais une fois que tu donnes d'eau, toi tu vas perdre l'argent. Mais ça va te remettre les yeux sur nous. Donc, c'est pas. C'est que dès que tu donnes l'argent, voilà. C'est que toi. Moi, je t'ai fait peut-être à trois personnes. Les gens vont commencer à se parler dans le secteur. On dit affaire, je ne paye pas transport. Ils vont dire, il y a un gars qui vient payer le truc là. C'est temps-ci à Abidjan, s'il y a des gens là qui viennent payer le truc là, ils donnent d'eau là. L'argent disparaît. Si. Donc, c'est pas bon. Il y a Bidou Magique. Mais Bidou Magique là, c'est si on a trop fait sur terre, c'est 5 ans. Oui. Mais ils nous disent pas ça. Ils nous disent ça. Et puis il dit le vrai Bidou Magique là. C'est pas, il n'y a pas deux trucs qui donnent ça. C'est un cadavre qui donne. Une vie humaine. Voilà. Quelqu'un qui est déjà mort là. C'est lui qui donne. Maintenant, ce qu'on devait faire maintenant là. Calebasse là. Il dit. Il va faire. Mais est-ce qu'on est prêt? On dit, y a pas. On a traversé Ghana. On a traversé Togo. Du coup, on est arrivé ici là. On est même à la frontière. On a dépassé même frontière de Nigeria. Chose, comme on appelle ça. Bénin. Donc, on est venu là, c'est pour ça. Si on a été retenu là, c'est pour ça. Donc il a commencé à faire des trucs. D'abord on a commencé avec les coqs. Les coqs. Coqs, poulet souffre. Janvier, c'est eux. Décembre, c'est eux. Ramadan, c'est eux. Dans fétiche encore, c'est eux. Poulet donc, souffre. Les trois coqs là, on mettait des graines de maïs dans notre paume. On les faisait manger. Donc après on ouvre le bec là. Et puis on met. On a mis la bague dans leur bouche. Hey. Donc ils ont avalé la bague. Le lendemain, on est revenu égorger les coqs là. J'avais un de mes gars, nous deux, notre bague était là. Le troisième là, sa bague n'était pas là. Donc, c'était bizarre. On dit, mais toi, tu es sûr que tu as mis une bague dans la gorge du coq là. Il dit, oui, il l'a mis. Qui l'a mis? Donc, le vieux dit, bon, il revient. Il est rentré dans sa cage. C'est un vieux, mais il porte. C'est pas une sommeil, il attache. Il est nu, il ne porte pas, je suis même rien. Il est rentré dans sa cage. Nous, on était dehors. Une heure, deux heures après, il est ressorti avec la bague. Il dit non, il y a une dame. Il allait chercher la bague dans la main de la dame au ciel. Qu'elle ne voulait pas que l'autre, le troisième, la fasse. Nous, on voulait décourager le petit. Il dit,